coïncide avec la naissance d'Emmanuel Antille, qui est aujourd'hui le 18 août. Donc, a priori, c'est aussi très symbolique pour moi. Je remercie évidemment le leader du Parti travailliste, le Premier ministre, pour cette promotion. Et je dédie cette promotion aux électeurs de la circonscription de Vacoix-Floréal. Et je donnerai le meilleur de moi-même pour être à la hauteur de mes nouvelles responsabilités. Voilà. Et sur les deux ministres qui viennent d'être nommés? Ben, je suis très contente pour les deux ministres. On les welcome, on est très contents. Et c'est une équipe soudée et motivée qui démarre, quoi. Qui redémarre. Non, après cette promotion. Alors, j'accueille cette nomination en tant que PPS. C'est une joie de pouvoir servir avec cette nouvelle responsabilité de PPS qui est mandant de ma circonscription. Et j'accueille aussi la nomination de ma collègue et amie Irène Martin comme ministre. Donc, nous pouvons dire que, encore une fois, nous faisons l'histoire de Maurice. Parce que trois femmes dans une même circonscription, une femme PPS et une femme ministre, je crois que c'est tout à l'honneur du pays et à l'honneur des femmes mauriciennes. C'est normal que je suis très comblé. Je suis aussi honoré d'avoir cette nouvelle responsabilité, puisque tout politicien doit être un petit peu ambitieux. Donc, j'ai la possibilité maintenant, j'ai des députés, maintenant en tant que PPS, j'ai des responsabilités additionnelles, des moyens logistiques additionnels pour être encore plus proche de mon électorat et au niveau des régions que je serai appelé à œuvrer. Donc, je voudrais remercier le Premier ministre pour cette confiance et j'espère de tout cœur de monter à la hauteur de ces nouvelles responsabilités. C'est un nouveau challenge, un nouveau défi. C'est ça qui est fascinant dans la vie. Je voudrais aussi remercier l'électorat qui a placé son confiance en moi. Donc, puisque c'est dépassé le choix de cet électorat que je me retrouve dans ces nouvelles responsabilités.